amis. Salut les amis. Dernière journée à Tahiti. Ouais, ça y est. Mais on vous parle pas de Tahiti. Non. On vous parle de... Rangiroa. Rangiroa. R-A-N-G-I-R-O-A. Bravo. Pas Rangiroa, Rangiroa. Ouais. Alors, juste pour info, c'est un atoll qui est à l'est de Tahiti, nord-est, qui est à peu près une heure d'avion, donc je pense que ça correspond à environ 500 km. Et du coup, on a été passer quelques jours là-bas et je te laisse découvrir ça dans la nouvelle... vidéo. Allez, c'est parti. À Rangiroa, alors c'est un atoll, c'est tout plat, il n'y a pas de montagne, il y a très peu de verdure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? C'était de la mer, beaucoup de la mer du coup. Ouais, pas de la mer, c'est pas pareil. Attends, d'abord, explique ce que c'est un atoll. Les gens, ils savent peut-être pas ce que en c'est gros, un atoll. En gros, un atoll, c'est une île qui est faite de corail. Voilà, on est sur le récif en fait, sur le corail. Ouais, sur le récif, c'est ça. Je sais plus trop la formation, si j'ai pas de bêtises. Donc c'était des anciens coraux, mais immenses, qui avec le temps se sont dégradés. C'est ça. Et donc ça a formé une île. Au milieu, t'as le lagon. Et tout autour périphérique. Mais c'est le récif en fait. Tout autour, c'est le récif qui entoure le lagon. C'est et ça. Eux, ils vivent sur le récif. C'est ça un atoll. Ouais. D'où le fait que ce soit pauvre en végétaux. Donc on a vu beaucoup de tiarets, des cocotiers, quelques bananiers. Mais on voit que c'est un petit peu plus dur que Tahiti et les îles sous le vent. Alors je fais ça parce qu'il y a Moorea qui est juste derrière, vous le verrez pas. Mais voilà. C'est les îles montagneuses. Exactement. Du coup, moi, je vais commencer par moi parce que c'était l'activité phare de mon truc fou. On va en entendre parler pendant 15 ans. J'ai fait de la plongée et cette plongée, bon, c'était mon baptême. J'ai voulu d'abord tester parce que j'avais peur d'avoir mal aux oreilles. Donc, je suis descendu à moins 6 mètres. C'était pas mal. J'étais quasi en pseudo-autonomie. Et puis, je me suis débrouillé à nager entre les différents coraux qu'on pouvait voir, les différentes patates. Et c'était cool. J'ai eu plein de poissons, j'ai pas eu mal aux oreilles, j'ai pas eu peur, j'ai pas vu de requin, mais j'ai vu un Napoléon. Alors je te laisse découvrir ça dans la vidéo là tout de suite. Ensuite, toi t'as vu un truc trop cool. Bah pendant qu'il faisait sa plongée, moi j'ai été voir les dauphins. Les dauphins, ouais. Et il y en avait plein, parce que lui, après on y est retourné avec lui. Il y en a vu, mais pas autant que moi j'ai vu le temps qu'il fasse sa plongée. Ouais, mais ça s'explique aussi ça. Donc dans cet atoll, il y a des passes. Je crois que là il y en a... Non, il y en a deux là, dans l'atoll. Sur Rangiroa, il y en a que deux. Il me semble. Bon, peut-être plus. Après, il y a beaucoup de passes, vu que c'est tout plein de petits mots, tout comme bref, ça. Bref, les passes, c'est pour passer, forcément. Tu passes avec ton bateau, tu rentres, tu sors dans l'océan, tu rentres dans le lagon. Et donc, quand le lagon éjecte l'eau, sortant, les dauphins, ça crée du courant, du contre-courant, des vagues, des trucs de fou. Et donc, les dauphins s'amusent à sauter par-ci, par-là. Mais c'était un peu mon histoire, c'était à moi de la raconter, c'est moi qui ai vu les dauphins. Alors, on l'a refait, vas-y. Tu voulais expliquer ça? Non, je n'allais pas l'expliquer. Ah, moi je l'explique, parce que c'est toujours intéressant dans la chaîne de The Prof. Tu sais qu'il y a toujours un truc culturel ou alors intellect. Ok, pas, ça c'est fait. Des fois pas, mais si. Du coup, Julien a fait les baleines. Alors, les baleines. Les baleines. Les dauphins. Les dauphins. Je l'ai fait aussi, parce que forcément, il fallait que je les voie. Ouais. Ensuite, on a fait une sortie bateau. Ouais. Où là, j'étais pas très très bien, je te le dis. Parce qu'il y avait des vagues dans le lagon, t'imagines. Bon, il y avait des vagues, si je pense, ça faisait bien 2 mètres les vagues.
des creux. Ouais, il y avait des beaux creux. Le bateau, il faisait ça. Alors, j'étais pas bien du tout. J'ai pas vomi cette fois, donc ça va. J'ai tenu tout du long, mais il fallait pas 10 minutes de plus parce que c'est sûr et certain que là, tout mon repas du midi, il passait. Donc en fait, on est allé au lagon. Moi, j'ai trouvé ça trop marrant quand même. Que je sois malade. Non, le bateau. C'est vrai. Ça fait comme si c'était un grand 8. C'était trop cool. Ah, non, ça faisait plein de sensations. Ça, j'aimais bien. Mais en fait, c'est le mal de mer. Parce que les hauts et les bas, ça, je m'en fous. C'est une petite nature. Non. C'est juste que moi et la mer, pourtant, je suis pêcheur dans l'âme. Fils de prof et lui pas de pêcheur, et la mère. Mais... Non, mais il passe son temps dans l'eau. Je comprends rien, moi. Ah ouais, mais j'en sais rien. Mon estomac ne le supporte pas. Il est trop fragile. Monsieur petite nature. Bon, on va expliquer ce qu'on a fait sur ce putain de bateau, quand même. Alors. Donc, on a pris le bateau et on a été sur le lagon bleu. On a été au lagon bleu. Au lagon bleu. Donc, ça a une heure. T'imagines l'atoll. Donc, en gros, on a fait un point A. Enfin, tu t'imagines le diamètre. A, B, on a fait du point A au point B et il faut une heure. C'est ça. Et le bateau, il allait vite, je te le dis. Et du coup, on a été là-bas, on a mangé les repas traditionnels, hein, tu sais, le poisson, coco, etc. Il y avait du poisson aussi qu'on ne connaissait pas, là, le gros poisson. Ah, le baliste. Ouais, on baliste, a mangé ça. Un aussi. Gros baliste que je n'ai pas pêché, encore une fois. Et du coup, on l'a mangé. On a mangé du riz, on a mangé le poisson coco, et ensuite on s'est baladé, on a nagé un petit peu, on a fait du snorkeling, et puis on a vu ce beau lagon bleu. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos de drone parce qu'il y avait trop de vent, j'avais peur de cracher le drone et je voulais pas perdre toutes les sauvegardes, du coup j'en ai un petit peu, mais voilà. En tous les cas, tu peux voir les fesses on de Julie. On a vu les requins aussi. Et les fesses de Julie. Oh. Elle s'énerve. Mais c'est pas possible ça. Et les requins. On parle de la vidéo de ce qu'on a vu. Mes fesses, elles font pas partie du lot. Non, c'est vrai. moi je les ai vues. Les requins. On a vu les requins pointe noire. Ouais, les requins. C'était les bébés parce que c'est des zones, je sais pas si on peut dire de frein et de reproduction. Ouais. Où il y avait des petits bébés sharks, des bébés requins. Ouais, j'ai les cheveux qui servent à rien. Ça fait un... Ensuite, on a fait machine arrière, on a passé du point A au point B, et puis là, je peux te dire que voilà, j'ai peut-être tapé mon cul au moins 50 fois avec toutes les vagues. Je me suis pris 15 000 litres d'eau dans la gueule, j'en ai bu autant, et puis on est arrivé quand même à bon port, et puis j'ai pas vomi, donc ça, je suis content. C'est bien. Voilà, pour une fois, j'avais pris des médocs. Hein. D'ailleurs, merci à Noémie et à Loïc, parce que sans ces médocs, j'aurais peut-être tout déjà. C'est vrai. C'est possible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine... Bah attends, nous... on n'a pas fini. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on fait la suite. Bah oui, parce que tu dis pas qu'on a fait... Alors, on n'a pas fait le tour de Rangiroa, mais on a fait l'aller-retour. Parce que tu peux pas faire un tour, c'est une route de 10 km où tu vas jusqu'au bout. Et après, tu fais demi-tour sur cette route et tu reprends la même. On avait pris des vélos. Ouais, on a fait ça en vélo. Et on allait même sur le petit motu en donc face. Donc on a pris un bateau, taxi, si tu préfères, un taxi-bot. Qui nous prend avec les vélos, il nous amène de l'autre côté. Un peu chez Ross d'ailleurs, comme on a payé 2400 francs pour 5 minutes de traversée. Donc là, si tu vois la vidéo, change parce que c'est un peu cher. En même temps, il est le seul, donc pourquoi se priver ? D'un côté, il a raison. Et du coup, on a fait du vélo là-bas. Il a plu, il a fait beau. On a vu un beau petit village. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon. Une belle plage aussi. Ouais. Très joli. Je me suis baigné, mais la mer était agitée, donc j'ai rien vu. Et après, on est allé voir les pêcheurs de l'autre côté. On a été voir les pêcheurs. Ça, c'était cool aussi. Ils pêchaient des poissons. Becs de canne. Becs de canne. C'est ça, hein. Exactement. Becs de canne.
Et du coup, on a parlé avec un pêcheur qui nous a expliqué comment on pouvait le manger. Et donc, il nous a filé un poisson, je l'ai coupé, je l'ai vidé, et puis on l'a mangé le lendemain avec Loïc. Ouais, voilà. Qui était nos hôtes pour ce petit week-end à Rangui. Donc c'est une île assez sympa, alors préparez bien le truc parce que voilà, il n'y a pas 36 choses à faire. Mais, sauf si tu es fan de plongée. Ouais, je pense que... Si tu es fan de plongée, c'est voilà, très y a bien. Il y a plein de trucs à faire, tu peux voir les dauphins, à mon avis il doit y avoir des baleines. Le aussi. Mur de requins, ça doit être sympa, alors j'étais pas assez expérimenté pour le faire, mais voilà, c'est que partie remise en tout cas. C'est sûr. Du coup, pour faire plaisir un petit peu, pour faire avancer la chaîne, tu peux... T'abonner. Ouais. Et liker les réseaux sociaux, t'abonner, enfin bref, m'envoyer un petit message ou à Julie, ça nous fera toujours plaisir. Et puis nous, on dit à la semaine prochaine, ça a commencé à changer les décors, ça a commencé à changer même la destination. La semaine prochaine, on te fait quand même un retour sur tout Tahiti ou peut-être des plans, les plus beaux plans qu'on a pu faire de Tahiti et de ces îles. Ouais, et puis après, notre ressenti. Notre ressenti. Ouais. On peut parler aussi des autres qu'on a eues. Ou alors tu nous poses ta question ou tu nous poses les images que tu veux et puis on te met ça. Ouais, ça peut faire possible. Une truc question-réponse, ça peut être top aussi. Si vous avez des questions là-dessus, ça peut être cool faire une vidéo là-dessus. Du coup, on dit à la semaine prochaine. On se souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis à très vite les amis. Salut. 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 Toi, tu dis salut. Autant que fois que je dois le dire, jusqu'à temps que tu coupes. On dirait un bobo parisien sur... allez, va prendre tes embouteillages sur le terrain. Anne Hidalgo, on t'aime.